Précédemment, les candidates choisies en speed dating Uzuma et Violaine ont fait la connaissance de nos deux ados nationaux et de Fabien. Est-ce que la campagne et le look motard de ce dernier les ont effrayés? Il est temps pour Uzuma de relever le défi de survie en campagne, pendant que Fabien, lui, devra faire preuve de galanterie. Uzuma, on va tester si tu serais capable de survivre en campagne. Fait qu'on a pensé à quoi de plus campagne qu'une course de tracteur. Je conduis à Montréal, je suis capable. Oui, ça c'est sûr. OK, ouais. Fait que vous êtes prêts? Oui. Ouais. OK, ben allez-y. Allez, papa, la galanterie. Ben, je vois ça, là. J'espérais venir à une ferme parce que je me dis Armstown, fermier. Moi, je m'attendais à traire une vache, mais... OK. Là, je sais pas ce qui se démarre. Là, et... Wow! Je dois dire que quand j'ai conduit le tracteur, je me sentais super, super femme. Je suis en train de conduire un tracteur. Je suis une citadine, je suis africaine, j'habite à Brassard. Puis aujourd'hui, j'ai conduit un tracteur. C'était super. Allez-y, lâchez pas! Papa, comment là? Je suis allée, je sais pas comment avancer. Alors, je vais repenser, puis là, je vais avancer. Arrête, Fabien! Arrête! Arrête! C'était compliqué. C'était pas comme ma petite Lexus, là, vintage, qui part. Non, c'était compliqué. J'ai trouvé mon père quand même assez galant dans cette activité-là. Uzuma, son tracteur, on sait pas pourquoi, mais il arrêtait de me fonctionner. Là, il a arrêté, puis à un moment donné, il a même reculé. Je te retourne à la terre. Je suis partie en courant. J'ai gagné! J'ai gagné! Premier rendu! On n'a pas dit avec tracteur! Juste premier rendu! Juste yes, premier rendu! Pour les filles! Woo! Pour les filles! 4-5-0! Quand j'ai vu Uzuma débarquer du tracteur pour courir nu-pied, dans le fond, j'ai vu que c'était une fière compétitrice puis elle méritait de gagner. Sans stéroïdes en plus. Mm-hmm. Oh! 4-5-0! Oh, mais moi aussi, je suis dedans, 4-5-0! Brassard, à bord! Yes! Même si, à la fin, Uzuma, il avait stallé, puis toi, t'as continué, on trouve que t'es quand même pas fait parce qu'au début, t'avais arrêté, t'avais reculé. Fait qu'on dit que t'es quand même un peu galant, là, oui, c'est moyen. Oui, ah, j'ai fait mon effort pour perdre, dans le fond. Là. Oh, tu vois, bébé, ça va bien aller, notre relation. Un ouais, autre qui me laisse gagner, j'aime ça. Exactement, oui. Un déjà pour toi! Au tour de Violaine de démontrer aux enfants que la vie en campagne ne lui fait pas peur. Est-ce qu'elle profitera de l'ambiance du verger pour chanter la pomme à Fabien? Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Vous allez bien? Oui. 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 Chez nous, c'est la cidrerie Rockburn et les vergers Fryer. Et voilà. Merci. Pour toi, bienvenue. Oh, oui, c'est la grosse classe. Voilà. Merci. Bonne cueillette. Merci. Ben, merci. Chin chin. Chin chin. On est allé cueillir des pommes, on a fait connaissance plus avec Violaine. Comment ça se fait que tu t'es inscrit dans cette émission-là? Ah, oh, c'est une idée de ma fille. Elle a fait une activité avec moi pour me convaincre de m'inscrire. Pour vrai? Oui, oui, oui. Bien, c'est quand même... ça prend du guts pour dire oui aussi, non? Oui, oui. C'est... Bien, ça prend du guts pour être participante aussi. Oui, effectivement. Oui. On a appris à se connaître un petit peu plus. On a ouvert un petit peu le sujet, là, à savoir d'où on venait, d'où on sortait un peu. Pas mal bonne, justement, ta fille sur la trampoline. Puis ton fils, quel genre d'activité il fait? Du jeu vidéo. Du jeu vidéo. J'ai la même chose à la maison. Mais j'ai l'impression qu'on a l'air d'avoir des belles affinités ensemble. Bon, ben aujourd'hui, pour le défi, on sait que d'habitude, les couples, quand ils sont perdus, ben ça s'engueule, ça chicane pour trouver leur chemin. Alors, on a décidé de préparer une chasse au trésor. Je vous en mets la boussole là, pour vous orienter. Tout au long de la chasse, vous allez devoir trouver des éléments que vous allez mettre dans ce panier-là. Oh, wow! Ah oui. Okay. OK. C'est où l'ouest? Quatre poteaux plus loin. OK. Quatre poteaux. Un, deux, trois, quatre. Ah! Oh, il y a quelque chose de blanc. Moi, j'ai remarqué qu'ils s'entendaient bien puis ils se sont bien débrouillés ensemble. Oui, il y a un autre indice. On a un indice. OK. De la farine, j'ai comme l'impression qu'on va faire une tarte. Complétez le mot avec l'indice suivant, que, indice synonyme de pâte. L'activité s'est bien passée. Le niveau de difficulté était
Ça dépend pour qui. Pour moi, je l'ai trouvé assez élevé. Des nouilles? Qu'est-ce qu'on aurait comme des... Ah, des quenouilles! Ah, ben oui. Ça pourrait-tu être ça? Bon, t'es forte. On a l'air de deux tempéraments assez faciles. Je suis peut-être un petit peu plus germaine. Peut-être que je prendrais les commandes plus rapidement. Mais j'ai l'impression que... On se débrouillerait bien. Ouais, si elle veut prendre les commandes, je la laisserai conduire, c'est tout. Ah, lève-la. Lève-la le défi. Ben, faites 10 pas en direction sud. 7, 8, 9, 10. Ici! Ah, juste là. il se parlait beaucoup. Il s'aidait vraiment mutuellement. Fait que je pense que ça a été quand même bien réussi. Mon premier est un pronom. Deuxième, personne singulier. Tu. Mon deuxième est un élément essentiel à la survie des humains. De l'eau. Oui. Ah! Des tuyaux. Tuyaux. Ben oui, deuxième tuyaux. Personne, ben tuyaux. Oui, c'est vrai. Ça, c'est du beurre, je pense. Je suis une couleur, mais je suis aussi un fruit. Regardez direction sud-ouest. C'est toute une façon de faire l'épicerie, hein? Ben oui, c'est économe. Oui. Du griot. Violaine, sois tout en main pour nous faire une croustade aux pommes. OK. Au retour, on se débrouille. Mais non, regardez! Toi, tu peux te mettre là, tu peux texter. Toi, tu peux être là. La place pour quatre. On s'impatiente. Si vous vouliez voir ma patience, c'est la meilleure façon de faire. Et on est gêné. Quelle partie de ton corps préfères-tu? Oh my God!